Bonjour à toutes et tous, c'est Shiro Star sur la chaîne Shiro Gaming. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte du jeu Fight School Simulator. Alors le but, ça va être d'ouvrir votre propre école d'arts martiaux et peut-être, qui sait, devenir le maître légendaire. Alors je vous laisse découvrir la petite vidéo d'introduction qui se passe à Lecton au 19e siècle et puis on découvre le gameplay ensemble. Allez, c'est parti. Mais où suis-je? Where am I? Mais où suis-je? J'ai pas signé pour ça, moi! Mais je croyais que j'allais jouer un jeu de simulation, pas un jeu d'horreur! Je dois aller vers là, vous pensez? Mais je suis censé être un maître ninja! Oh, madame! Bonjour, madame! Pouvez-vous m'aider? Oh, c'est ma mère! Maman! Maman, mais pourquoi pleures-tu, maman? Mother! Mother! Maman, maman, pourquoi pleures-tu? Mommy! Maman, ouh, je suis là, regarde. Où are you? Le méchant. Tu ne fais pas de mal à ma maman, ou sinon, tu vas voir de quelle joie je me chauffe. Aïe, ok. Non mais, je suis le maître karaté. Oh, aïe, ok. Non mais. Ah non, ok. Boum. Maman, regarde comment je te protège face aux forces du mal. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas censé avoir une école d'arts martiaux, moi. Piou! C'est un jeu d'épouvante ou quoi? Je me suis trompé de jeu, monsieur. Attendez, je vais vérifier le titre du jeu. Non, tu m'auras pas. Je les corrige tous une fois pour toutes. Bon, maman, ça devient un petit peu long, là. Il y en a combien qui arrivent comme ça? Maman, attention! Derrière toi, maman! Maman, il a pas l'air gentil, lui! Ah. Maman! Maman! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es bizarre ce jeu. Tu game over ou quoi? Oh, ce n'était qu'un rêve. Oh mon dieu, hein? Mais ça c'était pas ma maman? Je sens son odeur. Bah oui, c'était à ma maman. C'était un rêve ou pas? Lisez le mot glissé sous la porte et prenez l'argent. Alors, nous d'abord, on va prendre l'argent. Ah bah oui. Ah, je peux pas. Il faut d'abord lire le mot. Ok, on y va. Allez, c'est une petite introduction au jeu. Mon cher enfant, apprendre le décès de ton père m'a profondément attristé. Il a toujours été une bonne personne et l'un des plus grands représentants du Kung-Fu. J'ai entendu dire que tu as un grand potentiel avec tes compétences de combat. Cependant, j'ai appris que tu n'as pas pu ouvrir ta propre école en raison des difficultés financières. C'est pourquoi je t'envoie mes économies. Ouvre ton école et rends hommage à ton père en enseignant son kung-fu. L'honneur de ton père est entre tes mains. Ton amour. Avec amour. Avec amour. Ton oncle. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance du jeu. Et là, je peux prendre 1500 balles pour ouvrir ma propre école, mesdames et messieurs. On va tout de suite sortir d'ici. Et voilà, je vais ouvrir ma propre école et mettre ma famille à l'honneur, devenir le maître. Alors, graphiquement, écoutez, ça passe. Je rappelle, le jeu est disponible dès maintenant sur Steam avec une petite réduction de 25% si vous l'achetez avant le 21 octobre. Monsieur, bonjour. Je suis ici pour me battre. Regardez ce que je sais faire. Ah non. comment on se bat? Monsieur, ah non, pas taper avec ça peut-être. Oh, un cheval. Bonjour le cheval. Tu veux un petit peu d'eau? Vas-y, il est très fraîche. Toi, tu m'as l'air d'être une combattante. Viens ici. Viens ici. Ah, oula, oula, oula. On se calme. On se calme les cheveux roses là. On se calme. Parce que moi, je rigole pas. Je vais devenir le prochain maître. Ouh, il y avait du rouge. Je crois que je vais mourir. Peut-être c'est pas ce qu'il fallait faire au début du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Je vais tous vous taper. Bon, je pense pas qu'on doit utiliser la violence normalement en dehors du tatami. Ou je sais pas comment on appelle ça. Du dojo. Oui, aïe. Aïe, aïe, c'est une école. Oh, t'es un nez rouge. Ah non, c'est du sang. Viens ici, toi. Pourquoi j'ai pas mes autres coups, là, en bas? Oula, ils vont pas très bien, les madames. Voilà, faites dodo, c'est la sieste. Allez, bonne nuit. Non, mais... Couillot. Monsieur, vous avez vu, mais c'est eux qui m'ont agressé. Ils sont venus à 3 contre 1. Est-ce que c'est normal, ça? Organisateur de tournoi.
Monsieur, honorable monsieur, je veux me battre, faire un tournoi. Bienvenue, bienvenue, jeune homme. J'organise des combats tous les jours. Tu veux gagner de l'argent? Ce n'est pas pour l'argent que je combats, mais pour l'honneur de ma famille. Si tu as battu, si tu es battu, ou si tu tombes dans l'arène, tu es vaincu. Je ne peux pas te laisser combattre. Tu dois connaître au moins 4 mouvements impressionnants. Ben, j'en connais que un, mais les 3 là, elles ont vu de quoi le doigt je me chauffe. Bon, ben, il veut pas. Allez, on va faire le tuto. Donc, explore la ville et trouve un magasin approprié à louer. Alors, voyons voir un petit peu la map. Donc, nous, on est ici, on est sorti de là. Alors là, c'était l'école, une école concurrente. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais... Est-ce que je dois tourner la carte ou est-ce que son logo est à l'envers? Original. On peut balader un petit peu. Ici, ça, ça doit être ma maison. Maître. Ah non, je ne suis pas encore. À mon avis, là, c'est où on doit aller, hein, vu qu'il n'y a pas de logo. Ah ah. Intelligent, le coco. Eh oui, merci. Allez, on y va. Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez venir vous inscrire dans mon école? Oui, je serai très prudent, madame. Les gangs de la mafia ne me font pas peur. Je combattrai avec honneur pour ma famille. Tu n'as pas regardé un bon film depuis un moment? Ok, donne-moi ton numéro. Je t'appellerai. Alors, on va aller dans notre école. Donc, ça sera ça, notre école. Pas mal, pas mal. Et il y a du potentiel. Tout ça pour 1500 balles. En vrai, j'achète. Alors, on est juste en face du magasin. Donc, ça, c'est parfait. Puisque comme ça, on pourra meubler. Et on va devoir le louer. Ah, il faut donner un nom à notre école. Alors, comment on va l'appeler notre école? Bien sûr, on va l'appeler la Shiro Academy. Shiro Academy des musclés. Voilà, c'est l'Académie des musclés ici. On va mettre tout ça en jaune. Et pour le logo, on a un petit scorpion ici. On a un petit lion, un petit cheval, un petit poisson. On a plusieurs logos. Ok. Oula, il a bien mangé le tigre. Un aigle, un dragon, une cigogne. Il y a pas mal de logos, ils sont plutôt sympas. Oh, le petit panda, regardez comme il est mignon, on dirait Paradisa. Et ça, c'est le dragon violet de... Non, c'est pas Jade, Jade, c'est vert. Ça, c'est quoi, des émeraudes? Non, je sais pas. Le dragon violet. La Shiro Academy, des muscles du dragon violet. Ça va très bien ensemble, je pense. Allez, on prend ce logo-là. Alors, on doit enlever les petites planches. Ça, dans beaucoup de jeux, c'est comme ça. Hop, et elles disparaissent par magie. Et on peut ensuite rentrer dans notre école. Regardez, c'est chez nous, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bienvenue dans l'école. Alors, il faut la laver, bien sûr. Elle est très sale. Clic gauche. Appuyez sur C. Ok. Ok, donc là, il faut faire un petit peu de nettoyage pour notre école. Mais qui a foutu la poussière sous les murs? Oh là là, c'est incroyable, ça. C'est quoi toutes ces tâches-là? On va laisser ça comme ça? Ah non, moi je veux repeindre. Est-ce que ça on doit balayer aussi? Non, ça c'est la touche E. Oh! Ouf! Ok. On nettoie en foutant le bordel. Parfait. Ça aussi. Voilà, c'est tout propre. Est-ce qu'il y a encore de la poussière quelque part? Je pense pas. Alors c'était quelle touche? C. Là, on enlève les papiers qui traînent au mur. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez pas mettre encore un petit peu plus de papier? Voilà, s'il vous plaît, c'est ouvert. Quand la nuit tombe, rentre chez toi. Mais comment la nuit tombe? Je suis en train de nettoyer. Retour rapide à la maison M. Attendez, je vais finir de nettoyer moi. Ah, les petites boulettes de papier ont disparu. Bon, avant de rentrer chez moi, on va aller jeter ce sac poubelle qui traîne là. On va fermer la porte. On va se fermer tout seul. Fermer la porte. Voilà. Hop, regardez, hein. On a notre école ici, la Shiro Academy des musclés. Ah, chariot ardure, eh non, moi je vais la foutre chez le voisin, moi. Ah bah oui, on va boycotter les autres écoles, non mais... Nous sommes une école honorable, mais personne nous a vus, c'est la nuit. Comment on jette ça? Voilà, tiens. Alors appuyez sur la touche M pour entrer à la maison. Retour rapide, on va faire un petit dodo. Ok, on est chez nous. Est-ce que je peux manger ou chauffer du bois? Non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, interagir avec tout ça dans la maison? Non. Ah, regardez la famille. Ça, ça doit être nous. Mais je louchais un petit peu. Ok. C'est quoi? C'est la Bible? C'est quoi? Ok, on va faire un petit dodo. Allez! Chut. Chut. Ah, j'ai bien dormi. Ah. Allez, on est parti pour le deuxième jour, mesdames et messieurs. On va retourner à notre école. On doit aller nettoyer le magasin
Et ensuite, j'imagine qu'on va devoir le meubler. On va essayer d'accélérer un petit peu, parce que comme ça, on peut quand même vous montrer un petit peu de gameplay lors de cette première vidéo découverte. Madame, ça a l'air lourd, vous voulez que je vous aide? Bonne journée, quel plaisir de te voir aujourd'hui. Merci, Madame Yoko Elisabeth. As-tu des nouvelles intéressantes de ton côté? Oui, madame, j'ai une nouvelle école, juste là, ça m'appartient maintenant. Je suis à la recherche d'un nouveau passe-temps. Peut-être que je vais commencer à peindre. Madame, ça tombe bien, on a des murs à peindre. Parfois, la tranquillité de cette ville me rend si heureux, oui. Il y a des poubelles qui traînent là-bas chez le voisin. Oh, le voisin, là! Oh, vos poubelles, là! Hé! Hey, oh, il y a quelqu'un! Non, mais il faut... Allez, je suis gentil, je vais les aider. Hein. Non, mais c'est incroyable, ça. Les voisins qui jettent leurs poubelles, là, comme ça. Non, mais j'accepte pas ça. Madame, pourquoi vous pleurez? Regardez, bah oui, ils ont laissé tout le truc là-bas. Monsieur, vous avez vu ça? Est-ce que vous trouvez normal? Hop, voilà. Tout faire ici dans cette ville. Alors, ça aussi, il faut l'enlever, j'imagine. Alors là, j'essaye de courir, mais quand on porte des objets, il n'arrive pas à courir. Hop, voilà. Ok, alors, est-ce qu'on peut enlever aussi les planches ici? Ah, pas encore. Il faut être niveau 50. Ouf, expérience 50. Alors, construire, clic gauche. Prends l'outil de construction avec la touche B. Ok, et on construit. Il faut que je me retienne toutes les touches. B, c'est pour construire. C, c'est pour nettoyer. Parfait, regardez. Ça, c'est notre bureau. Tableau des gestionnaires. Livret d'étudiants. Paramètres de l'école. Non, oula. C'était pas ça mon nom. paramètres de classement, ok. Ah oui, donc il y a les différentes ceintures. Il y a la ceinture rouge, ceinture violette, ceinture blanche, ceinture bleue et ceinture noire. Ceux qui se connaissent là un petit peu, je suis sûr qu'il y en a dans le chat ou tout dans la vidéo. Est-ce que ça correspond à la réalité tout ça? Je rappelle qu'ici on est sur du Kung Fu. Et donc il y a aussi les vestes. Ok. Ah, on peut les changer. On peut faire nous-mêmes. Bon, on va laisser comme ça. Nouvel étudiant, liste d'étudiants. On a pas d'étudiant, nouvel étudiant. Aucun étudiant n'attend. Ok, parfait. C'est normal, il faut d'abord acheter un peu de matériel. Marketing et publicité. Courrier et notification. Ok, on n'a pas de courrier. Et là, on peut faire un peu de pub. Ok, pas mal. Ah, et ça, c'est quoi ça? C'est la monnaie. C'est une monnaie, ça? Ah, c'est l'expérience. Ok, il faut au minimum 4 d'expérience et ça coûte 100 balles. Et on peut distribuer des tracts. Ok, il y a un petit peu de marketing. Alors, comment je me lève? Parfait. Alors, on va aller au marchand. Il est juste là. Bonjour, bonjour, honorable marchand. Je suis votre nouveau voisin de la Shiro Academy des Musclés. Nous représentons le dragon violet. J'aimerais vous acheter un petit peu de matériel pour attirer mes premiers étudiants. Oh. Oh, bienvenue mon ami, comment vas-tu? Je viens de te l'expliquer. Ah bah, monsieur, faut pas exagérer, je viens de tout expliquer. T'as rien écouté ou quoi? C'est pas marrant. Par la barbe du Kung Fu, cette fois-ci tu as de l'argent, viens et achète ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter là? J'ai pas lu, il faut acheter tous les... Attendez. Trouve le marchand en ville et achète ton premier article. Ok, n'importe lequel. Qu'est-ce qu'on va acheter? Alors, il y a les prix. Déjà moi, j'ai 1000 balles. Ok. On va acheter... Ça va les couper en morceaux. Expérience insuffisante. Ah, zut! J'ai que 3 expériences. Bon, bah, on va acheter ça ici. Slapping. Et on va acheter aussi un bonhomme comme ça. Voilà. Allez, on y va. Je regarde un peu le sol, là. Voilà. Ok, mais j'ai acheté là, non? Comment on fait? Ah, avec la touche tab, on peut voir la roulette. Construire. Construire ceci. Alors, on va mettre où ça? Il faut penser déjà stratégiquement. Hein. Donc, on a le petit point là au sol. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le petit point, à mon avis, par où l'élève, ouais, on peut dire l'élève, devra se mettre pour taper dessus. Je pense que ça, on va le mettre ici, près de l'escalier. Voilà. Et alors, il y a un deuxième truc que j'ai normalement. Le petit bonhomme. Et ça, le petit bonhomme, on va le mettre ici, à l'entrée, près de la fenêtre. Non, on va le mettre ici, en plein milieu. Non. Où on va mettre le petit bonhomme? Je sais pas, moi. Je sais pas à quoi ça va ressembler plus tard. On va le mettre là. Voilà, regardez.
Ah, c'est pour l'enlever, ça. Non, moi, je veux m'entraîner. Pourquoi s'entraîner? Pourquoi la touche que j'avais pris pour taper tout à l'heure, je sais plus. Trouvez le maître et apprenez lui la première technique. Apprenez de lui, pardon. La première technique. Ok. Donc là, on va voir le maître. Mais c'est pas à nous, le prochain maître? Ah, j'espère qu'on va devenir le maître. Là-bas, derrière. Où le maître? Ah non, moi je vais plus dans cette école-là, ils sont pas gentils avec moi. Ah oui, là-bas. Pour l'instant, c'est assez plaisant, à voir un petit peu après, mais pour l'instant, je trouve ça assez plaisant, c'est assez chouette, c'est assez joli. En tout cas, les couleurs, après voilà, techniquement, c'est pas la folie, mais ouais, c'est assez plaisant. Bonjour maître. Maître, bonjour. Comment on se met à genoux? On va se mettre à genoux? Attendez, non, maître, désolé, le balai, maître, c'était pas pour vous. Ah non, on va pas se battre avec le maître. On sait pas se mettre à genoux, ok. Maître, veuillez m'enseigner votre savoir. J'ai ouvert notre noble école de la Shiro Académie des Musclés. Bienvenue. Un autre chercheur de paix intérieure et de maîtrise. Qu'espères-tu trouver ici, dans ces murs anciens? La paix en mon âme et l'honneur de ma famille. J'ai entendu dire que tu ouvres ta propre école d'arts martiaux. Félicitations! Cependant, ton kung-fu n'est pas aussi raffiné que le mien. Il est essentiel que tu apprennes de nouvelles techniques pour enseigner à tes élèves. C'est exactement pour ça que je suis venu, monsieur. Ça tombe bien. Bien sûr, je vais t'apprendre de nouveaux mouvements. Mais souviens-toi, rien de précieux n'arrive sans un prix. Tout a un prix, n'est-ce pas? J'ai pas pu lire la suite, monsieur. Vous parlez trop vite pour moi. My friend. Tu es my friend. Alors, ben écoutez, celui-ci est gratuit, ça me semble très bien pour l'instant. Ouh, monsieur, attention. Attention là, remontrez-moi ça. Oh là là, vous blessez pas, monsieur. Non, s'il vous plaît. Ok, ça me semble très bien. Je vais apprendre ça. Merci. C'est avec la touche F. Monsieur, je ne l'ai pas. Trouve le maître et apprenez les techniques. Même le maître ont un cœur. Une femme que j'ai aimée autrefois vit à proximité. Infiltrez-vous discrètement et apportez-moi 3 souvenirs. Ah, c'est ça qu'il veut pour m'apprendre la technique. Ok, ouais, mais monsieur, je peux pas faire ça. Hein. Je peux pas faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous me demandez faire. Hein. Je dois aller espionner une femme. Maître, voyons. C'est où? Y a pas de petit point sur la map là où je dois aller? Bon, il y a un grand point là-bas sur la... ici, vous allez me dire, mais... J'aurais aimé quand même un petit point quand je mets la map pour voir quel chemin prendre. Là, c'est ici tout droit. C'est quoi? Alors ici, vous avez le meilleur score. Donc je pense que les scores de tous ceux qui ont le jeu, peut-être sur Steam ou je ne sais quoi, eh bien, il est mis là. Ou alors, est-ce que c'est des... Ah mais non, je suis bête. Je dis des bêtises. Non, oubliez ce que je viens de dire. C'est simplement les écoles factices qui sont ici sur la map. Et le but, ça devait être d'être la meilleure équipe. Donc moi, là, ceux contre qui je me suis battu tout à l'heure, c'est les White Crane. Les crânes blancs. Ou les grues blanches. Quoi ce bruit? Quel est ce bruit? Est-ce que ça serait la dame qui ronfle? C'est ça, bien aimé, vous pensez... Ah! C'est ça le genre de souvenir qu'il veut! Ok... Ah, le bruit, c'est le chien qui nous surveille. Tu me vois? Tu me vois pas, tu me vois pas. Là, regardez, il me voit pas. Tu me vois pas. Ah, il me voit pas. Bonjour le chien, tu me vois pas. Il me voit pas là, hein. Vous inquiétez pas, il me voit pas. Madame, vous ronflez quand même assez fort. Allez, on va prendre ça pour le mettre. Vite, vite, comment on a pris? C'est E. Sacré cabot. Et on prend ça aussi. Hop. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est le maître qui m'a obligé. Ce n'est pas ma faute. Quoi? Il manque un souvenir? Il en manque un? Mais... Où ça? Il en manque un? En haut? Ça a bugué, non? Est-ce que je peux voir mon inventaire quelque part? Que ça a bugué. Ou
alors faut aller vraiment sur le toit, vous pensez? Allez, on va essayer de faire le tour de l'école. On va voir si ça a bugué ou si je dois aller en haut là-bas. Mais ça me semble un petit peu étrange. Parce qu'il y avait, en effet trois objets, je pense. Je pense que j'ai pris les trois. Il y en a, en tout cas, il n'y a plus rien en surbrillance. Ou sinon, je vais faire exprès de me faire attraper par le chien. Et comme ça, vous aurez vu en même temps ce que ça fait quand on se fait avoir par le chien. Mais parce que là... Ah, voilà. Ouais, oui, oui, je me casse. Ah, c'est plus moi, je suis parti. Ok, il était juste plus en surbrillance, ce truc. Oula, il y a de l'argent ici. C'est quoi, ça? Parchemin secret. 1 sur 20. Ok, il y a des petits parchemins secrets dispersés un petit peu à gauche-droite dans la map. Regardez, là, il y en a encore un. Ah, ici, c'est si jamais on a une envie pressante. Oh, ah, regardez. Regardez dans le fond de la toilette. Ok, ça, c'est pas mal, les développeurs. Ça, c'était marrant. Ça, les développeurs m'ont fait rire. Beaucoup plus rire que mes blagues depuis le début de la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de ce petit jeu, là? Ah, je dis petit jeu. Attention, c'est pas péjoratif. Hein. C'est, voilà, c'est une manière de parler. Maître, j'ai accompli la mission avec honneur. J'ai retrouvé les objets de valeur que vous m'aviez demandé. Now, my friend, watch me carefully. Eh ben, du coup, tu m'apprends le Eagle Double Kick. Oula. Cette technique repose sur les réflexes. Essayez de vous arrêter au bon niveau du mouvement au bon moment. Et si vous parvenez à le compléter, vous l'aurez appris. Et je dois aller quoi, sur les barres, là? No, concentrate. Ouais, ouais, je me concentre. Well, voilà. Nice move, lad. Good once again. Voilà. Now you know this. Ça y est. Appuyez sur la touche Tab pour vos mouvements. Alors là, on va sur la touche Tab. Il faut aller où? Déplacement. Ok. Et donc ça, on peut ajouter et le mettre ici. Ok. Sympa. Pas mal. Donc là, maintenant, avec la touche T, c'est ça? Avec c'est quelle touche? Désolé, j'apprends les touches. Là, avec la touche F, j'ai l'autre mouvement. Avec le pied. Le coup de pied. Ok, plutôt sympa, plutôt sympa. Bon, ben c'est la nuit, hein, je dois retourner dormir. Désolé les amis, j'ai pas trop le choix. Est-ce qu'on va pouvoir enfin accueillir notre premier étudiant? Ah merde, j'ai pas dormi. Vite, on lit. Bonne nuit les petits. Voilà, on est réveillé. On range la posture de combat. Quelle touche? J'oublie toujours F. Ok, F. F comme fight. Alors, inscrivez votre premier élève dans votre école. Okay, donc on va aller à l'école, c'est par où? C'est par là-bas. On va retourner à notre école. Ok, nous revoilà à notre belle école et on va pouvoir inscrire les premières élèves. Ouh, mais regardez! Mais il y a du monde! Attendez, mais moi j'ai que deux trucs d'entraînement, hein. Mais c'est quoi tous ces gens qui veulent se joindre à mon école? Messieurs, la tenue, ça va. Mais madame... Est-ce qu'on va faire du kung-fu dans cette tenue avec des petits cœurs et des pieds nus? Bon, les pieds nus, oui, mais les petits cœurs, bon. Allez, on va faire une interview des plus musclés, parce que seuls les meilleurs pourront intégrer mon école. On a du courrier. J'ai entendu dire que tu avais enfin ouvert ta propre école d'arts martiaux. En tant que mon oncle. Je suis fier de toi. Je suis sûr que si ton père pouvait voir ces jours-ci... Il serait également fier de toi, oh, cher père. Maintenant, il est temps de travailler dur. Augmente les équipements d'entraînement dans ton école. Éduque bien les élèves et garde ton école propre. Je te fais confiance. Je ne serai pas déçu, mon oncle. Allez, les élèves, ils sont là. Regardez, mesdames et messieurs, on va cliquer sur le livret étudiant et on va voir l'étudiant suivant. Alors, on a ici Takejiro Derek. Takejiro Derek. Il y a 45... C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Qu'il veut rester 45 jours, c'est ça? Il est mid-core. Je sais pas ce que ça veut dire, mid-core. C'est peut-être son niveau. Niveau junior, niveau moyen, niveau supérieur. Ok, donc ça c'est quoi? Vous recevrez une formation de niveau junior. Vous serez capable de vous défendre contre les voleurs ou les personnes mal intentionnées. Vous possédez une technique de niveau intermédiaire. Votre sensibilité à la douleur. Mais quoi ça? C'est ce qu'il veut, c'est ça? Il veut faire niveau moyen? Et ça, c'est ce que moi, je vais dépenser ou c'est ce qu'il va me payer? Attention, on va cliquer sur ça, on va voir. Donc ici, s'il va me payer, logiquement, je vais avoir 890. Si c'est moi qui paye, il va me rester plus que 860. Et ouais, calcul mental, les amis. Allez, on y va, on teste. Oui,
Ok, j'ai gagné de l'argent. J'ai même eu un bonus. Ok. Lui aussi, il veut venir acheter et placer 6 équipements. Écoutez, Ichiro Kenneth, pour l'instant, je peux prendre que 2 élèves. Ah non, je pense que je peux en prendre plus. Ok, on va l'accepter. Allez, niveau moyen. Ok. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Kazuha Amelia. Elle est junior. Donc, on va lui donner le niveau junior, c'est ça? Dites-moi si vous pensez que j'ai raison. Voilà, bienvenue dans l'école. Ok, donc là, maintenant, on peut voir la liste ici des étudiants. Parfait. Donc, il y en a 2 qui sont au niveau 0. Il y en a 1 qui est déjà au niveau 1. Paramètres de l'école, là, c'est pour changer le nom. Ça, on a déjà vu. On doit aller acheter des nouveaux équipements. Allez, on y va. On a pris un petit peu d'argent. Donc, regardez, là, ils s'entraînent. Hein. Oh, regardez la fierté. Regardez la ceinture, là. Vous avez vu la ceinture? Alors, je sais pas si on peut importer notre propre logo. Mais ça serait chouette. Monsieur le marchand, je vais devenir votre meilleur client, croyez-moi. Je veux encore un demi comme ça. Je souhaiterais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Ça, c'est un peu cher, ça. Puis, j'ai pas la réputation. On a que 6 en réputation. Donc, pour l'instant, on peut acheter que ça. On va acheter encore un demi. Demi. Voilà. Aller à l'inventaire. Construire. Demi. Oula, il a tout sali l'autre là. Mais on va vite lui apprendre l'étudiant là. Il va voir de que... Ça se passe pas comme ça. Hein. On va construire l'autre juste à côté. Voilà. On va un peu nettoyer. Ah. Ces étudiants, ils vont voir. On va leur apprendre. Comment on range le balai. Voilà. Alors, eux. Ok, donc là, on peut voir ses stats. Donc, lui, il a besoin de ses 2 équipements, je pense. Ah non, c'est son programme de formation. Ok. Il a déjà fait les 2. Il arrive en Punch Pro. Donc, il est plus fort avec les poings qu'avec les pieds. Ok, d'accord. Il est level 2. C'est un mid-core. Il nous donne 30, il a 36 de c'est de l'expérience et pas de l'expérience, comment on dit, la réputation. Mouvement connu, celui-là. Ok. Parfait. Et là, il y a quoi? Il y a un nouveau candidat déjà? Bonjour. Oh, au revoir. Ah, le vent que je me suis pris, mesdames et messieurs, incroyable. Attendez, on va s'asseoir à la chaise, on va attendre les étudiants. Bienvenue, honorable étudiant. Peux-tu te joindre à notre école? Montre-moi ton CV. Alors ici, on a Giro Daniel, un senior. Oh, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Hein. On va l'accepter, hein, mais il va me demander du matériel que je n'ai pas. Bienvenue dans l'école. Monsieur, bonjour. Je vous ai pas vu, vous, à l'extérieur, déjà, vous? Vous me dites quelque chose. Vous êtes junior? Bienvenue. Oui. Voilà, bienvenue. Alors, je voulais juste maintenant vérifier que j'ai pris lui. Est-ce que... Le nouveau là. Oula, oula, il est en forme celui-là. Oula. Alors lui, il est quoi? Lui, il est senior et il veut tout, que ces 2 trucs là aussi. Donc il a l'air content. Ok, ça va. Est-ce qu'on peut créer des programmes ou comment ça se passe? Je sais pas. Acheter et placer 6 équipements. Allez, on va continuer. On a que 4 équipements pour l'instant. On va prendre encore un sac comme ça alors. Hein. Ah, je suis passé au niveau 8. On peut débloquer les squat stones. Compétence coup de pied. On va débloquer ça aussi. On va en prendre même 2. Ça y est, ils ont fini leur journée là. Il est 19h50, tout le monde rentre à la maison. Ça se met comment? Ça se met comme ça. On va la mettre plus de ce côté là, ça. Enfin, quoique, on va mettre ça où? On va mettre ça ici au fond. Deuxième. D'un côté. Hop, voilà. Et alors ici, on va remettre un sac comme ça, à côté de celui-ci. Parfait. Ok, il manque encore un équipement. Allez, on va aller vite l'acheter. Attendez, on a... Oups, je me trompe de touche. Comment je quitte ce menu? Voilà. On a une personne qui veut rentrer dans l'école. Vite, vite, vite. Bonjour, votre tenue n'est pas réglementaire. Désolé. Non, mais il est bizarre sa tenue à celui-là. Livré étudiant. Nouvel étudiant, junior, bienvenue. Eh, on a beaucoup d'étudiants déjà.
Ok, donc là, l'école doit fermer. Est-ce que je peux encore acheter un truc en face? Non, zut, il est plus là. Ok. Donc, l'école doit fermer. On doit retourner dormir. Ça, c'est... Ouais. Je comprends l'histoire de devoir dormir, mais il faut à chaque fois faire le chemin. Bof. Voilà. C'est le matin. Allez, je refais le petit chemin. Voilà, on est arrivé à notre école. Juste avant, on va aller voir leur marchand parce qu'il manque encore un équipement. On a la réputation niveau 9. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète encore un demi? Allez, on va racheter encore un petit demi. Bon, on n'a pas trop de thunes non plus. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Oula! Ah, regardez l'entraînement avec ce truc-là. Ok, c'est la presse, là, pour les jambes. Ok. Ok, ok. Vous voyez, nous, on a des machines, des trucs comme ça. Et eux, ils ont une pierre ronde. Et ça, on va le mettre ici. Comme ça, ils seront tous là. L'un à côté de l'autre. Parfait. Voilà. Alors, F3 enseigne un nouveau mouvement. F3. Ah, zut. Il veut se battre avec moi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que je lui fasse? Le frapper? Tiens. Ah, je suis en train de lui apprendre le mouvement. Ah, c'est pas mal, ça. Regardez ça, je lui apprends le mouvement. Il fait la même chose que moi. Voilà, regardez ça, il prend du niveau. Ok. Allez, on va aller chez lui. F3. Tiens, je t'apprends un mouvement. Ok. Aïe, ok. Ah, l'autre aussi là-bas. Aïe, ok. Aïe, ok. Aïe, ok. Ok, c'est bon, vous le connaissez le mouvement. Merci, au revoir, bonne journée. Madame, bonjour, comment allez-vous, madame? Ouais, bah... À chaque fois que j'arrive, il se casse. Bon, bah, désolé, madame, mais bon. Faut être patient dans la vie, hein. Ah, si vous voulez faire les arts martiaux, bah... Faut être patient, hein, c'est sûr, hein. Lui, qu'est-ce qu'il fait, là? Toi, suis-moi. Ouais. C'est ici, l'école. C'est pas là-bas. Voilà, très bien. Je ne veux plus me suivre. Oh, c'est très marrant. Embaucher un service de management desk pour distribuer 1000 dépliants. Ok, donc ça c'est le marketing. Alors attendez, parce que lui il m'a foutu le bordel encore là. Hop, voilà. Marketing. Hop. Alors marketing c'était là. Donc là il faut engager ça, donc ça nous coûte 100 balles. Acheter. Parfait, donc là il y a quelqu'un qui va distribuer des tracts pour moi, c'est ça? Ah, regardez les étudiants, comment ils s'entraînent bien. Par contre, tu vas te faire un petit peu écraser. Alors, je sais pas si t'aimes ça, mais c'est un peu bizarre. Regardez sa tenue, magnifique. Ah, elle s'entraîne partout, hein. Elle est contente, elle est contente. Qu'est-ce que je devais faire, moi? Vous avez du matériel d'entraînement, il est temps d'accueillir des élèves. Ah oui, normalement, il y a quelqu'un qui distribue des tracts pour moi. Alors, je sais pas si on le voit dans le jeu. Ah, il y a quoi ici? Formation quotidienne. Ah, formation quotidienne. Allez, moi, je veux me former. Apprenez d'abord la technique de flying kick auprès du maître. Ok, flying kick. Bonjour monsieur, quel bon poisson séché, il a l'air très appétissant. Ah mais je vais passer mon tour pour le moment, hein. Merci, bonne journée. Ici c'est quoi? Pas à manger ici, non, il est en faillite le truc. Eux, qu'est-ce qu'ils mangent là? Ils jouent à des jeux d'argent. Là-bas il y a quoi? Il y a un porc. Contrebandier? Qu'est-ce que tu vends? Hello, my friend. Ouais, my friend. Ouais, montre-moi ce que tu vends, mon ami. Ouais, Jack Sparrow. Des médicaments exotiques. Oui, j'ai besoin de médicaments exotiques. Augmente ta vitesse, inflige plus de dégâts. Ok, donc là, c'est des petites potions bonus. Quand on fera les tournois, ça pourra être intéressant. Ok, petit contrebandier. Alors, on va retourner vers notre école. Vous avez maintenant du matériel d'entraînement. Il est temps d'accueillir des élèves. Inscrivez 6 nouveaux élèves. Ils veulent beaucoup d'élèves, eux. Oula! Oula! Oh, monsieur! Ah, je vais me faire ban! Ah non, je vous regarde plus! Ah non! Monsieur, c'est quoi cette tenue? Regarde tes cheveux, regarde ta dégaine! Ah, toi, je te prends en photo, toi. Ah, toi, je te prends en photo, toi. Ah, bah, toi, t'es le champion, toi. D'ailleurs, est-ce qu'on sait... Oups. Est-ce qu'on sait enlever les... Non, on sait pas. Enlever juste les trucs en haut à gauche, en haut à droite, les textes et tout ça. Ah ben, toi, t'es un champion, toi. Ah, t'es magnifique, toi. Allez. Nouvel étudiant. Midcore. Tiens. Moyen. Voilà, bienvenue. Madame, bonjour. Junior. Bienvenue.
Ah là là, ils sont quand même mieux habillés comme ça. Hein. Bonjour, nous vous écrivons la Fédération Internationale des Écoles d'Arts Martiaux. Vous avez ouvert une nouvelle école, félicitations. Nous vous enverrons bientôt l'un de nos responsables vous rendre visite pour vérifier et inspecter personnellement les normes de votre école. Pas de soucis, bienvenue, et bienvenue, on n'a pas de problème, on n'a rien à cacher nous. Regarde, ça bosse, celle-là, ça travaille. L'autre, elle a encore tout dégueulassé, hein. C'est incroyable ça. Il faut laver tes pieds avant de rentrer, on t'a déjà dit. Hein. Lave tes pieds avant de rentrer. Ouais, incroyable. Oh, regardez ceux-là, là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait par terre. Oh, oh. Faut pas engager quelqu'un pour balayer, là. Hop, voilà. Regardez ça. Oh, juste devant mes yeux. Regardez ça, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Alors, par exemple, on clique. Ah non, on va dire à tout le monde. Hé, hey, les étudiants, on va apprendre un nouveau... Venez avec moi, tous les étudiants. Hi, venez avec moi, tous ici. Allez, en rang. Voilà, on va faire la photo de famille pour notre nouvelle école, F12. Ok, il y a une touriste. Madame la touriste, veuillez patienter, s'il vous plaît. Venez par ici. Ici, j'ai dit, au pied. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à apprendre un nouveau mouvement? Oui, alors, faites la même chose que moi. Attendez, comment on fait encore? Touche 2. Hayoket. Hashigo. Hayoket. Hashigo. Hayoket. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Encore. Voilà, ils ont appris le nouveau mouvement. Bravo, ne me suivez plus. Alors comment on leur dit? Congédié. C'est bon, vous êtes congédié. Allez vous entraîner. Yeah. Hey, c'est pas mal hein, ces petits... Hein? Non, pas à la maison. Venez vous entraîner. Il n'y a pas assez de matos pour tout le nombre d'étudiants que j'ai. C'est le bordel, c'est le bordel. Par contre, ça s'allie un petit peu trop souvent. Ça, c'est quelle touche? Touche C. Madame, bonjour. Vous voulez rentrer dans l'école? Avec plaisir, s'il vous plaît. Suivant. Bonjour, monsieur. Monsieur Toshiro Derek. Ou encore la famille Derek. Vous êtes beaucoup, hein? Voilà, je vous engage. Ok, alors donc maintenant, si on regarde maintenant les listes des étudiants, vous voyez qu'on a pas mal d'étudiants et il y en a qui sont déjà au niveau 5. Si on regarde le paramètre des classements, donc là on a les ceintures, etc. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a que des rouges, hein, si je ne me trompe pas. Des ceintures rouges. Paramètres de l'école, ça j'ai déjà vu. Okay. Allez, on va aller voir une fois les ceintures. Est-ce qu'ils sont tous... Ouais, regardez. Regardez, regardez, ils ont tous la ceinture rouge là. Ceinture rouge, ceinture rouge, ceinture rouge. Donc c'est tous des débutants. Oh, l'autre, il a encore plus le bordel. Hein. Oh là 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 là. Réparation. Ah, il faut réparer le truc. Prends l'outil de réparation. Ok. Voilà, c'est réparé. Ok, il y a tout qui s'use. Ah, je savais pas ça. Ah oui, 50%, 59%. Bon. En tout cas, ça va vite. Par contre, ça coûte 10 balles à chaque fois de réparer. Oh là 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 là. Ok. Encore deux étudiants. Lui et peut-être une autre. Bon bah écoutez mesdames et messieurs. Voilà, c'était une première petite vidéo de présentation du jeu. Alors dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi si vous avez envie d'en voir un petit peu plus sur le jeu. Pourquoi pas, on pourrait refaire un deuxième épisode. Ça va dépendre de vous si vous êtes nombreux à aimer le jeu et à vouloir voir la suite. Je rappelle que Fight Club Simulator, le lien est dans la description. Il est disponible dès maintenant sur Steam. Si vous l'achetez avant le 21 octobre, vous avez une réduction de moins 25%. Il est à 9 euros quelque chose pour l'instant. Donc voilà. Ou si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à le mettre dans votre liste de souhaits. Et qui sait, peut-être pour une prochaine fois. C'était Shiro sur la chaîne Shiro Gaming. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao, ciao.